tu vas cuisiner. Oh! Vas-y, je te dérange pas, vas-y. Juste, j'ai fine. Qu'est-ce que tu nous fais de bon? Elle va nous faire du riz. Hein. Bon, elle lave le riz. Bon, je remets le kilo. Elle lave le riz. Elle n'a pas l'habitude, maman, de faire ça. Explique ce que tu fais là. Elle met les choses dans l'autocuiseur. Vas-y, Myriam, explique ce qu'elle a fait ta mère. Bah, elle l'a lavé. Et après, elle a mis son doigt aussi. Ouais, pour calculer l'eau en voilà. Gros. Une phalange. Si tu mets assez d'eau, et après, bah, tu le mets dans l'autocuiseur. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà, et là, on démarre. Tu le fais. Tu le branches parce que sinon ça va pas fonctionner. Et après tu laisses cuire. Et après ouais, tu appuies sur le truc et normalement. Voilà. Ok, là, merci. Et quand tu seras prêt, ça ira là. D'accord. Allez, maintenant on passe à autre chose. Je sais que là ça l'énerve. Mais... C'est pas son truc. Je sais, je sais, ça je vais la trembler. Hein. Bon, là on va mariner la purée. Là, tu vas faire quoi? Elle est pas là à sa place, là, parce qu'elle sait qu'elle va pas parler. Alors, qu'est-ce que fait-elle? Du coup, comme on n'a pas de saladier... On marine dans une casserole. Bon, qu'est-ce que tu as mis, Lec? Du poids. Sauce huître. Du sel. Ça, c'est de la sauce huître. Sauce huître. Sauce soja. Ah, j'ai acheté toutes les sauces. Ouais, en vrai, ça a l'air. Tiens, le sucre, il est là maintenant. Ah, c'est pour ça qu'on veut du sucre. Ça, c'est ça. C'est celle-ci, la sauce. Ah, ça, c'est quoi, ça? Sauce soja. Au sucré ou salé? Salé. Et après, on va mettre du sucre. Et là, c'est sauce huître. Ils sont grandes, les bouteilles. Hein. Ouais, mais ça va, c'est... Non, mais c'est pas ça, moi, Leclerc, ils les vendent petits, hein. Ça me fait drôle quand je les vois grands. Ah, mais bah encore, il y a plus grand. Ah ouais? Ouais. Ah oui, tu marines bien, toi. C'est pour ça qu'il y a du goût et tout. Ouais. Donc, ah, c'est une cuillère. Bon, là, elle va couper les de l'ail. Là, vous pourrez devenir youtubeuse. Je te jure. Avec des oignons. Les oignons, c'est pour nous? Qu'est-ce qu'on met au barbecue? Et ça, c'est pour quoi l'oignon? Ça, c'est pour quoi? Pour le poulet. Ah, pour le poulet? Ouais, pour le poulet. Là, nous avons une vraie thaïlandaise. Hein. Oui. De source. T'as montré les insectes? Ouais, j'ai montré. Tu n'as pas mangé? Non. Je ne sais pas ça. Tu veux quoi d'autre, maman? Coriandre. Ça, c'est coriandre. Tu mets de la coriandre et c'est tout. Oui. Couper les mets dans le tout. Ouais. En fait, il n'y a pas tant d'ingrédients que ça. Bon, elle a mis de l'ail. Ils sont en train de laver, ils lavent les pommes de terre. Tu vas les faire où? Ils vont mettre où les pommes de terre? On va les mettre dans l'aluminium et après pour mettre dans le charbon. J'ai pas entendu, vous les Thaïlandais, tu mets où ça? C'est racine de coriandre. Ouais. Tu la mets où ça? Normalement, on doit écraser. Et après, tu la mets où? Mets dans tous les marinades. Bah, mets-la. Bah, mets-la. C'est pas de tout comme. Tu ne fais pas les comme ça. Ah. Tu mets pas de persil. Hein? Tu mets pas de persil. C'est ça, c'est coriandre, hein, c'est la même chose. Okay. Plus de coriandre. Donc voilà. Et là, on découpe le poulet en deux. Elle a la main. Allez, on va couper accrocher un tes doigts. Voilà. Toi, tu fais quoi là? Toi, tu nous fais quoi là? Il est en train de manger? Elle a mangé un insecte. Il a pris un peu? Moi, j'avoue, j'avais pris un aussi. J'ai pas un peu le temps. On est sur l'aluminium.
Voilà. Là, on est en train de limer un couteau, la tactique pour limer un couteau. Ça, c'est les Thaïlandais qui font ça. Hein. Même chinois. Même chinois, elle dit. Même arabe. Et toi, tu vas faire quoi là? Alors là, on va faire des petits ails frits avec la peau. Ah, d'accord. Au barbecue. C'est bon? C'est super bon. Ah, t'as jamais goûté? Non, jamais goûté. C'est très bon. Bon, c'est une texture différente de l'ail. Ça fait genre cacahuète? Non, pas vraiment. C'est non plutôt mou à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est, bon, c'est, le jus sort un peu, mais c'est plutôt mou. Tu l'épluches pas? Non, justement, ça se cuit sur la peau, avec la peau. Mais quand tu manges, tu... Quand tu manges, tu l'es plus. Ah, voilà. D'accord. Une fois que c'est chauffé, voilà. D'accord. C'est là. C'est tout petit. Okay. Bon, on va de l'autre côté maintenant. Maintenant, nous allons chez la Thaïlandaise. Elle va couper des petits morceaux de viande. Voilà, coupe la viande, la poitrine de veau, c'est ça? Oui. On va mariner comme les poulets, quoi. Moi, je prends un verre de coca froide en attendant. On va faire la même marinade, je vous montre pas, parce que c'est toujours la même marinade, quoi, qu'on va mettre dans la viande. Ça c'est prêt. Maintenant, on va aller voir le barbecue. Ça, c'est les courses qu'on a achetées. Viens, Adèle. Viens voir le barbecue. Viens, on va le voir. Oh, la fumée. Ah, c'est la fumée là-bas, regarde. Sans, t'es plus chaud. Bon. Donc voilà le barbecue. Ça, c'est des pommes de terre. Il a fait des trous ou pas? Non. Ça va être plus loin que ça. Ah, c'est pas grave. Là, on a fait des pommes. Là, on va faire des pommes. Et voilà. Il fait chaud là. Ouais. Là, tu fais ça au balai, avec les moyens du bord. Ça marche bien, hein. Il est bien le barbecue ou pas? Ouais, ouais. C'est vrai? Mais dommage qu'il n'ait pas appelé la piscine. Ouais. Et bon, voilà. Ouais, comme tu as dit, c'est pas grave. On fait ce qu'on a. Ça va, Adèle? Hop là, il a fait. Donc voilà, ça c'est les poulets, les crevettes. Les pommes de terre. Elles sont cuites? Normalement, ouais. Ah ouais, quand même, elles sont cuites. Déjà cuit vite, hein. Encore les poulets. Bon, on attend. Je vous pose le riz ou pas? Il y a du riz. De quoi? Il y a du riz. Hein? Ah, d'accord. Bon, c'est le riz qui est prêt. Je ne sais pas comment ça s'ouvre ce truc, mais il est prêt. Je vais prendre ma bouteille d'eau froide. Bon,